Eu sou a esponja. Max, conhecido como morcego na capoeira. Eu sou Samuca da Índia. Moi c'est Piaba. Ah, moi c'est cafezinho, café. Bonjour à tous, je suis Venene, élève de Mestre Blanc. Eu sou o professor Girafa. Je m'appelle Yannick, mon surnom de capoeira c'est Coqueiro, le cocotier. Hoje vocês estão aqui conhecendo a professora Pagodeira. Je suis Aladdin. Je sou Lagartixa. Eu me chamo Ovo. Aqui professor Boca do... Alex Canário, élève de Mestre Branco, depuis 1996. Eu comecei a capoeira 20 anos atrás na França. J'ai commencé la capoeira il y a à peu près 20 ans. Eu me iniciei na capoeira em 1999. J'ai commencé la capoeira en 2001. Eu comecei a capoeira com desde 15 anos. Découvert la capoeira à l'âge de 15 ans. En 2001. Eu pratico a capoeira há 20 anos. Eu pratico a capoeira depuis une vingtaine d'années. Comecei a capoeira com a idade de 8 anos, com meu tio. On peut définir la capoeira de milliers de façons. Ela me dá uma grande família. C'est avant tout une histoire de partage. La capoeira a énormément contribué à construire la personne que je suis aujourd'hui et aussi va beaucoup influencer culturellement parlant. C'est un mélange de tout. Et c'est le seul art où on peut retrouver cet éclectisme. Treino, toque, canto, comportamento, educação na capoeira. Ela é sport, uma arte, uma cultura, né? Linguagem, mistura também a música. Uma outra visão do mundo. Uma coisa que não posso dissociar do que isso. É uma arte da existência, um caminho da vida. Ela me dá força, equilíbrio espiritual. Me donne encore plus l'envie d'apprendre, de comprendre et de partager. Et voilà, la capoeira, ça dépasse l'activité sportive. Ça dépasse la danse, ça dépasse le stretching, ça dépasse l'art martial, le combat pour certains. Tout ce qui se passe dans la rode est transposable dans la vraie vie. On apprend beaucoup sur soi-même. Le festival annuel permet vraiment de pouvoir se retrouver avec des personnes qui ont une passion commune. Une passion commune pour le mouvement, pour la musique. Pour dividir et aproveitar dessa expérience com os mestres, seus amigos, os parceiros, as pessoas que vivem desse arte em outros lugares. Un ascenseur émotionnel du bonheur, des rigolades, mais aussi des pleurs. Essa mistura de origens, de jeito de fazer a capoeira é o que faz a riqueza de um festival como o Festival Jinganagô. Novas amizades, novos aprendizados, mestres que vêm com conteúdos cheios de coisas para poder a gente aprender. Outros mestres, professor, contra o mestre daqui de lá, da Europa, da França, do mundo inteiro. É um momento positivo, cheio de energia. De partager le quotidien et donc quelque part aussi de se mettre en harmonie. Un partage de rencontres, d'amitié, d'expérience. Nos encontros de amizade. C'est un moment où on recharge les énergies parce que tous ces échanges, en fait, on apprend tellement de choses, on découvre tellement de personnes, on apprend caporistiquement et humainement. Et l'un pour moi ne va pas vraiment sans l'autre. Un peu comme une grande fête de famille où au moins une fois dans l'année, tout le monde est là au même moment, au même endroit. Mais qui se prépare tout le temps en fait, qui ne s'arrête jamais. Parce que c'est un moment un petit peu coupé du temps. Dans un cadre vraiment très familial. Et aussi de pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres maîtres, d'autres professeurs, aussi d'autres pratiquants qui partagent donc la même passion pour la capoeira. Haché, Jinganagô.